Hello, salut, bienvenue sur votre chaîne Uniqueforme. Ici une petite vidéo assez courte mais qui va vous permettre d'être en pleine forme dès le matin avec un petit massage, des petits massages du visage qui vont permettre d'interagir sur l'ensemble des organes du corps et sur l'énergie en général du corps. Ça prend peu de temps, c'est facile à faire. Moi je l'utilise surtout en hydratation du visage avec une crème hydratante en plus qui va permettre d'hydrater la peau, permet aussi de mieux glisser, faire glisser les mains sur le visage. Vous allez voir, c'est des tout petits mouvements tout simples, tirés du Qigong, tirés aussi des conseils de ma sœur qui pratique le Tien Shen, qui est thérapeute Tien Shen, qui est une sorte d'acupuncture du visage. Voilà, tous ces points se retournent sur le visage et permettent d'interagir sur l'équilibre général du corps, des organes du corps. Voilà, à tout de suite pour un bon petit massage du visage à faire quotidiennement. À plus les amis, 100% de la forme. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la partager à vos amis. Salut! Massage numéro 1, massage du front avec toute la balle des doigts, masser le front de bas en haut, énergie inhalée. Massage numéro 2, massage des tempes, avec le bout des doigts en pression légère, petit cercle, 20 petits cercles. Amélioration stimule la race et le pancréas. Massage numéro 3. Trois petits massages autour du nez. Premièrement, les ailes du nez avec l'index de bas en haut, frotter avec légèreté. En fait, ces massages vont améliorer toutes les voies respiratoires, vont dégager les voies respiratoires et vont permettre un meilleur fonctionnement du gros index. Ici, petit cercle en pression juste derrière les narines. Pensez à relâcher sur tous ces massages la mâchoire et à travailler sur une respiration lente et contrôlée. Dernier travail, pression. Vous inspirez, pas de pression, quand vous soufflez, pressez avec vos index derrière vos narines. Le temps de souffler par le nez. Inspirez par le nez, soufflez par le nez. Et un massage avec l'ongle des pouces, faites une pression en partant de la base du nez tout autour de l'œil, remontez jusqu'à la base. Petite pression régulière tout autour de l'œil. Ici, on va stimuler la vue et l'expulsion du froid. Une dizaine à 20 passages. Soufflez bien. Cinquième massage, on va étirer les sourcils de front, attention, avec la balle de la paume de main. Ici, ça va nettement améliorer votre concentration pour la journée et vous détendre aussi pour faire aborder la journée. Respirez calmement. Massage numéro 6. Pincez et tirez le nez. Un effet bénéfique sur le cœur. Commencez par la base du nez, vous descendez, vous remontez. Faites plusieurs passages. Pression entre l'index et le pouce. De bas en haut, en bas. Voilà. 10 à 20 passages. Septième massage. Massage de la mâchoire avec la pression du pouce sous la mâchoire et les doigts au-dessus de l'autre de la mâchoire, vous allez retour, ici, on détend grâce à ce passage le bassin et le bas du dos, toute la zone pelvienne. On va garder la bouche entrouverte. Huitième massage, masse les joues. Gardez bien l'index derrière l'oreille, le reste des doigts sur les joues.
Ici, ce massage va améliorer la fonction pulmonaire des poumons. Pensez à garder la bouche entrouverte, relâchée. L'avant-dernier, le 9e, on tire ses oreilles, tirage des oreilles, pensez à tirer l'ensemble des oreilles, le lobe, le pavillon, etc. Ici, on améliore principalement les fonctions rénales, santé des reins. Mais tout le corps va s'en trouver dynamisé, stimulé. Le 10e, le dernier, j'appelle ça la douche matinale, on passe en revue l'ensemble du visage. Là, on améliore toutes les fonctions. Permet d'avoir vraiment une bonne énergie, ça va tonifier votre visage si vous le pratiquez régulièrement. Voilà les amis, 10 massages du visage à faire quotidiennement avec une crème hydratante ou sans hein, qui va permettre vraiment de vous donner plein d'énergie dès le matin et puis améliorer l'équilibre général du corps et des organes. Bien sûr, il y a plein d'autres massages du visage possibles. J'ai choisi ces 10 là parce qu'ils sont assez simples à mettre en place. Mais vous avez massage du cou, vous avez d'autres massages, massage du menton, enfin plein de massages possibles. Je vous invite à lire des livres sur ce sujet, à regarder des vidéos, peut-être à me contacter sur stéphane.coach@hotmail.fr, hein, sur mon mail, ou sur cette chaîne directement. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, mettez un pouce bleu, partagez-la, si ça peut intéresser vos amis, vos connaissances. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt, 100% de la forme, 100% avec vous. Salut.